tout, j'espère que vous allez bien, ma soeur. Super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez aimer l'histoire de la Lorraine. Parce que j'ai un livre. Je vais vous montrer tout de suite. Celui-ci. Alors, je vais vous montrer. Là, nous avons un cheval avec un chevalier ici. Avec son machin là, je ne sais plus quoi. Et là, nous avons la cathédrale de Metz. La plus grande cathédrale de Metz s'appelle Ville de Metz en Lorraine. La cathédrale, elle a été créée en 1667. Et l'histoire de la Lorraine a une histoire. Jean Morette, jeune inciteur, fut fait prisonnier à et emmené en Allemagne en 1940. Là, nous avons des animaux. L'éléphant avec l'homme préhistorique. Donc voilà, il y a tout écrit. Et nous avons les Lorrains à l'âge de la pierre. Pourquoi il y a ça? Là, il y a ça, on peut répondre aux questions dans ce livre. Par exemple, la taille du silex par percussion. Polissage d'une nage, elle était longuement frottée sur une pierre ou polissoir. Perçage d'une nage de pierre. Modelage d'un pot. Le tour n'était pas inventé. Le pot était façonné avec des bouts d'argile. Grattage d'un pot à l'aide d'un grattoir en silex. Femme écrasant le grain, femme à sa toilette, femme tissant le lin, retour des chasseurs et des pêcheurs. Le repas, remarquez le convive qui brise sa noce pour en extraire la moelle, donc on était alors très friand. Là, donc voilà, ça c'est toutes les questions là. Là, on peut répondre à des questions dans ce livre. Et nous avons les hommes préhistoriques. Là, c'est du silex. Le bon silex. Et là, ils sont dans la forêt. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont en train de fabriquer quelque chose. Et les Lorrains à l'âge de Métavie. Là, il y a encore des questions qu'on peut y répondre. Toutes les hommes préhistoriques. Je vais tourner. Et là, y en a qui fabriquent quelque chose dans les hommes préhistoriques. Ça fait partie de la Lorraine, ça. Là, il y a le tir à l'arc, mais on peut. C'est l'arbalète, mais c'est pas tout à fait de l'arbalète. On peut tirer l'arbalète, mais c'est du tir à l'arc. Là, on peut. 3000 avant Jésus-Christ, les Ligures occupent la Lorraine. Tout ça. Là, un qui fait le vase, il construit. Et là, un homme préhistorique, il tape de toute sa force comme ça. Et là, la maison qui en crée, la Lorraine gavloise. Là, toute l'histoire. Là, nous sommes dans le village Les Gaulois. Et c'est eux qui ont organisé la guerre mondiale. Enfin, je sais pas. Et il y a aussi les costumes gavlois. Mais on appelle ça les Gaulois. Ils ont possédé des chiens féroces. La Lorraine gallo-romaine. Là, tout ça, il y a plein de choses à voir. Le livre est une chose. Regardez. Là, c'était au 3e siècle. Vallée de la Moselle, à l'époque gallo-romaine.
Et là, on est dans le village de la Moselle. Et je crois que ça reste sûr. On est encore à Metz. Oh là là, il y en a plein des pages. Là, il y en a encore un plan. Là, les Romains sont en train de s'occuper. Ils peuvent faire de l'instrument. Et là, on voit, il y a un qui construit des trucs. Ben, c'est pareil. Enfin, il a un outil dans sa main. Et nous passons à Divo Deriva Midiomatricum et à Metz. Là, nous avons le plus grand village de Metz. Avec un. Là, il y a une tour. Il y a des châteaux. Et on s'appelle. Attends, il n'y a pas écrit de prénom sur les lots, les pays historiques, je sais pas quoi là. Ça, c'est tous les Romains, des Gaulois et les hommes préhistoriques. Il y en a quelque part. Tout ça. Et la vie d'un de 20 Messin au 2e siècle. Il y a tous les genres de fèves. Mais on dirait des fèves, mais c'est des personnages qui ont été construits. Mais ça peut être une maison. Ça, c'est tous les siècles qu'il y a. Mais ça peut être des fèves. Ça peut, hein. Pour servir pour la galette des rois de l'Épiphanie. Après les mosaïques de Nénin, regardez. Là, on arrive aux hommes préhistoriques. Là, sur cette page, là, il y a encore des animaux. Il y a le jaguar, le chat, le lion, etc. Et même on appelle le lynx. Et évangélisation de la Lorraine. Évangélie. Moi, j'ai aussi un évangélie dans ma rue. Et tout ça, on peut voir dans le centre Pompidou à Metz. Exposé, en fait. On peut tout voir à Metz. Mais il n'y a pas que le centre Pompidou, il y a aussi ailleurs, bien sûr. Il n'y a pas que le centre Pompidou. Là, on arrive à la Saint-Clément. Capture le Graouille et ses petits. Là, on arrive bientôt à la fin. On arrive à la fin. Là, c'est les. Comment ça s'appelle encore? J'avais dit avant. Les Romains, voilà. Ce sont les Romains qui ont créé ce genre d'histoire de la Lorraine. Ça peut être le Républicain Lorraine de Metz. Et encore les livraisons. Par exemple, il y a des livres. Là, ça part à l'attaque avec les chevaux. Ce sont des chevaliers qui partent à l'attaque. Et nous voici. En parlant de la des Gaulois et plus les Romains puis les hommes préhistoriques. Et nous avons tout ça. Il y en a qui font partie de ce machin. Il y en a encore ici, il y en a encore là. Il y en a partout à Metz, partout. Ça, c'était à l'époque. Et c'est nous qui avons remporté. Hein. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Ça a été imprimé par Fort Moselle.
Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui n'y sont pas. Et mettez la cloche de notification, c'est important. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!